Tasie Trianon, seule, à un stade avancé de sa grossesse et malade, essaye d'atteindre une ville dans le désert où les survivants de son expédition ont trouvé des secours. Elle est piégée dans des ruines profondément enfouies sous les dunes. Elle doit s'échapper, et un mystérieux portail semble être son seul espoir. Mais elle doit trouver de l'énergie. Bonjour. C'est parti pour la suite. Hein ? C'est parti pour la suite d'Amnesia Rebirth. J'ai rêvé de toi, de Mitchell, du docteur. Oh ! Donc on est poursuivi par un malade, hein. Appelé l'inconnu. Oh non, au secours, il est proche. Au secours. Oh, c'est trop stressant. Je déteste cette phase. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Hein? Alors là, il y a des trucs. Oh là là. Le problème, c'est que je sais pas où il est. Je sais pas où il est, je sais pas où il y a de la lumière. Donc là, pour moi, c'est les ténèbres. Oh. Hein ? Au secours. J'ai peur. Je sais pas par où passer. Ah, attendez. On respire. On se calme. Parce que je me suis, entre guillemets, fait spoiler un truc sur le jeu. À savoir que je sais qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. Je sais pas comment on les obtient, mais je sais qu'il y a plusieurs fins, donc ça confirmerait éventuellement ce que je me dis sur le fait que mourir pourrait jouer sur la fin qu'on obtient. Il y a sûrement d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, mais je me renseignerai une fois que j'aurai terminé le jeu, moi, de mon côté, de toute façon. Même si je pense pas que je ferai d'autres fins sur ce jeu. On verra. Là, j'en profite, hein, Ah, ça fait du bien, là, on sait que les ténèbres peuvent pas nous envahir, même si on voit le petit truc qui bouge là en bas, ça me plaît pas, mais voilà. On n'a pas la voix qui nous donne des infos en plus qu'il faut lire, et qui en plus nous poursuit, donc il faut repérer où aller, sans savoir où aller, et ça me stresse. Je sens que ça va finir en « je cours » et puis basta, quoi, en fait. Je cours et je lutte. Mais, bon, du coup, voilà, je vais essayer d'éviter de mourir, et c'est peut-être possible que j'essaye de faire un speedrun entre guillemets du jeu, faudra que je vois. En fait, faudra que je me renseigne sur combien de temps c'est le succès justement du speedrun. Et peut-être que j'essaierai de le faire en vidéo, pourquoi pas. Voilà. On reprend ? J'ai pas envie. J'ai pas envie de reprendre, mais on reprend. Le problème, c'est ça là. C'est ces dalles. Quoi ? Oh non. Oh non. Pourquoi j'ai allumé ? Oh non. Il va me voir, hein. Il va me voir, c'est sûr. Oh, il est juste là. Oh, il est là-bas. Salim, il est mort, hein.
Non mais là... Là il va me foncer dessus au bout d'un moment. J'aimerais comprendre ce que tu dis mon gars. Oh, il est là-bas. Non! Ou alors non, pas non par rapport à ce que tu dis aussi, mais pourquoi t'as fait demi-tour, connard? Oh bébé. Ouais. Putain, mais c'est insupportable. Je déteste cette phase, hein. Vous savez que c'est mon némésis, hein. Et le problème, c'est qu'en plus, comme il donne des infos, je peux même pas vous couper ça au montage parce que ces phrases-là, à la con, là, elles ont forcément un sens. Mais il est où? Je l'entends trop. Ah. En tout cas, ça a l'air sympa ce que j'ai fait, hein. Je suis vraiment ravi. Putain, mais il est où? C'est horrible de l'entendre comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'il est à côté, c'est terrible. Hein. C'est pas possible, il est à côté, là. Touk, 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 touk. Il m'énerve. Ah, il est là-bas. Oh non. J'ai pas bougé au final. Non mais c'est infernal. Je déteste ces phases dans les jeux. Déjà de base... Déjà de base je les déteste. Mais il est à côté de moi là, c'est pas possible. Il est juste en face. Oh là là! Non. Non. Non! Je suis terrorisé. Mais il est où? Il est là. Oublié. J'ai eu un succès tellement je me suis caché, quoi. C'est terrible. Non, mais en plus, en fait, le problème, c'est que vous voyez très clairement là où il est. J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut que je passe en plus, hein. J'ai même pas l'impression qu'il est réellement un pattern. C'est ça qui est terrible. Ou alors le succès oublié, ça veut vraiment dire qu'il m'a oublié. Qu'il se rappelle même plus que je suis là, quoi. J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute et. Ça fait 10 minutes moi que je suis là. Je sais pas combien de temps ça fera au niveau du montage, mais vu qu'il a arrêté de me raconter sa vie là. Enfin ma vie, visiblement, mais. Qu'il a l'air de mieux connaître que moi. Non! Non! Arrête de me sentir! Non, me sens pas! C'est ultra stressant le sniff-sniff là. Je déteste ça. Tu vides ces petits bruits de pas là. Il est où? J'en peux plus. J'en peux déjà plus. Je savais, hein. Je savais que cette phase, elle allait me tendre. Juste pour ça, je me suis dit, je vais faire une pause. Histoire d'être bien. Que dalle, hein. Que dalle. Commencer direct là-dedans, c'est encore pire, en fait. C'est la pire idée que j'ai jamais eue. Au moins, je sais maintenant. Vraiment, si je suis dans une phase qui m'angoisse, ne pas s'arrêter. Surmonter l'angoisse sur le moment, parce que ça va être encore pire après. Je vous l'ai dit, je joue contre moi-même dans ce jeu aussi. Non mais le problème... problème c'est que j'ai aucune idée de là où il est.
Ok. Mais... En fait... problème, c'est que tout droit, je peux pas passer. Mais il ressort à chaque fois là ou pas? Attendez, hein, j'étudie les patterns du monstre. Parce que là, il a l'air d'aller dans un endroit et il a l'air d'avoir un truc. Un bébé. Ah ouais. Tu veux pas me sortir de là aussi, tant que t'y es? Tu veux pas jouer toute seule Oh là là. Après, en vrai, il y a la solution de courir. Hein. Qui est probablement une solution qui fonctionnerait en plus. Hein. Putain, mais il est où pour que j'entende comme ça? Ah, il est là. Mais à chaque fois, il ressort là. Au secours. Il est pas loin là. Hein. C'est terrible. Je l'entends. Je suis incapable de le... Je suis incapable de le localiser. Hein. À part quand je le vois, quoi. Mais non! Je déteste quand il fait ce bruit, par contre. Mais ça a l'air tellement proche, ça me trigger. Parce que je suis désolé, hein. À part s'il y a une résonance de ouf. Je suis désolé, quand t'entends quelqu'un comme ça, c'est qu'il est à côté de toi. C'est quoi la résonance de cette pièce? Faut m'expliquer au bout d'un moment. Bah ouais, au bout d'un moment, c'était sûr! Au bout d'un moment, c'était sûr qu'il allait finir par me trouver. Comment je fais? Au secours! Bonjour? Au revoir. Calme-toi 2 secondes. Ok. C'est terrible. En vrai, c'est quand même incroyable. Hein. Que finalement je bouge parce qu'il m'a repéré, il m'a tapé, et du coup j'ai décidé de courir. Maintenant il va falloir que je trouve ce qu'il faut que je fasse. Falloir que je comprenne comment je passe, parce que là c'est bloqué. Ah mais là aussi. Ah, tu peux pas te mettre en dessous quoi? J'ai plus qu'une allumette. En fait, il faudrait que je retourne là. Nous a sauvés, nous a sauvés. Ouais. Ah mais il est là! Secours. Mais il est juste derrière. Ouais. Mais en fait... Ah, c'est... Oh non! Mais quel enfer! Bon, j'ai de l'huile. Mais il va falloir que je joue à l'huile parce que j'ai plus de bougie, quoi. Bébé! Oh ouais, bébé! Sauve-moi! Bon, nous a sauvés, nous a sauvés. Ah ouais, mais là par contre, j'ai un problème, quoi. Oh ouais, c'est ma faute, ouais. Mais il n'y a pas d'autre chemin là? Parce qu'attendez, étudions le chemin que je vais devoir faire. Le problème c'est que le chemin que je vais devoir faire...
Ah, l'idéal pour moi serait de réussir à faire le saut sans actionner la moindre plaque. Parce que j'imagine que la moindre plaque que j'actionne, ça le libère. Oh, j'ai pas lu ce qu'il a dit, Tazi, ouais, Tazi, ouais. Ah, c'est ça, casse-toi, connard. Ah, du son, un son qui me... Ah, voilà. Bon, je préférais un ronronnement de chat en réalité, mais au moins, c'est ce que je veux qui ressemble le plus à un miaulement. Secours. Je sais pas combien de temps ça aura fait pour vous. Mais je vous assure que... Je pense que je vous laisserai quand même une grande partie parce que... Oh, c'est vraiment le genre de phase qui me tend, mais d'une violence. C'est les phases de la Outlast, hein. Moi, enfin, voilà, tout ce qu'il faut échapper à un ennemi, se cacher et tout. Je déteste ça. Hein? He always said it brought him good luck. I think you've done pretty well for me so far, eh? You're on a Stasi, right? I'm Leon Defries. I'm planning this dig for Mitchell. Tazi. And this is Salil, my husband. Right. I see. Ah, le what I see, D'accord. Ah, c'était un mec sympa, visiblement, déjà de base. Ouais. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Mais qu'est complètement taré. En plus, on le connaissait, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, lui, il nous connaissait. J'avoue que... Bon, voilà. Mais... Enfin, genre, il était dans notre expédition, quoi. C'est pas un mec qu'on avait rencontré pendant notre aventure, avant qu'on oublie tout, quoi. Non, non. Alors, le problème, c'est que j'ai pas relevé tout ce qu'il a dit. Et voilà, je pense que ça aura de toute façon beaucoup plus de sens quand on comprendra réellement ce qui est arrivé à Tazi. Mais. Visiblement, il avait pas l'air très content contre nous. Il a l'air de nous en vouloir un peu. Dance on the edges of the soft places, breaking through from there to here. Something terrible has happened. I am abandoned. Over time, the energy levels must fall, but how long will it take? What has happened on the other side? Why do they not answer me? J'aime pas ces portes. D'accord. Faut arrêter. Il n'y a pas d'allumettes. Ah, vraiment cet endroit quoi. Ah. Pas exactement le même visage que d'habitude. Indice avancé utilisé. Oui. Oui non mais ça va me servir. Bon ça peut me servir sur ça mais... Oh, il y a des marques. Là, ça sert à rien. Par contre, là, j'imagine que ça peut servir à quelque chose.
Paf. Non, pas du tout. Oh, des allumettes. Pourquoi ça me sert de faire un mouvement de balancier? Voilà, ça m'a permis de libérer le passage, mais j'ai pas envie de passer là, quoi. Si, c'est vraiment là. Super. Elle est où la sortie? Attendez, c'est par où qu'il faut que je passe après? Parce que moi, j'ai pas envie de rester là-dedans longtemps. C'est des dégâts de chute. C'est que des dégâts de chute. On peut monter là? Oh, cette phobie des échelles qui revient. On pouvait monter de l'autre côté aussi, oui. Ah ah! Tu sais, j'ouvre tout doucement en mode... En mode non... Toujours rien. Ça va, bébé? We met that ghost in the desert, little one. Myself, Hank and the others. She saved us. I think. But I can't really remember. Ouais. Le truc, c'est qu'elle a sûrement dû demander quelque chose en échange, quoi. Je pense pas qu'elle nous ait sauvés gratuitement. C'est bon, rien au haut de l'échelle. Oh. Oh. Bien ce que je pensais, niveau huile. Ok. Bébé. We made some sort of deal with the ghost. Hank was hurt. I wish I could remember. Mm. Moi aussi, j'aimerais bien que l'on puisse s'en rappeler. D'accord. Oh, wow. Cette ambiance, quoi. Ça y est, je commence à être beaucoup plus prudent maintenant. C'est... Là, je sais que le jeu... Il peut mettre des ennemis un peu quand il veut maintenant. C'est fini le début du jeu où c'était calme quand même pendant une grande partie du truc. Même si pour les phases énigmes, j'ai l'impression que... Généralement, c'est calme. Et là, ça ressemble à s'y méprendre à une phase énigme. D'ailleurs, attendez, je suis pas allé là pour... Si, je suis allé là à la base pour le portail, pour récupérer un truc d'énergie. Je crois. Voilà, le pense-bête va m'aider. Mais c'est ça, oui, il faut que j'actionne le portail. Donc il faut que je fasse ça. Ah oui, il me fallait aussi un truc de Vitalis. Enfin, de Vitae. Oulala. What the hell? Is it? It's making my teeth ache. D'accord. Mais ouais, ma vision est un peu floutée, j'ai l'impression. Oh non. Non mais Richard. Richard, tout va bien. C'est assis. Ok, donc là il y a un truc. Je peux pas y accéder. Oula. Ah, je prends des dégâts à la con à cause de mes glitches. C'est terrible. Du coup, je pense que ça affecte ma santé mentale aussi un peu, d'une certaine manière.
Ah, pas envie d'aller là, moi. Il est où? Richard? Pas taper, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est aussi traumatisé là? Il lui a fait quoi? Superbe, après Léon, c'est Richard maintenant. Ouais. Ouais bébé. Lullaby. Ok, je voulais vérifier si c'était fermé ou pas. Oh, j'ai pas le choix que de lui ouvrir. Mais il a accroché. Attendez, il y a un truc que j'ai mal vu. Il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. Ça me plaît pas du tout. Mais en fait, lui, il est accroché. C'était pas un devenu un monstre. Je me suis gouré. Bon, ça va. Enfin, ça va. Non, ça va pas. Non, ça va pas à cause de cette chose là derrière. Ouais, ouais. Je m'en tiens. Parce que le problème, oh là là, oh mais c'est quoi cet épisode où je vais jamais avancer? Oh, et je suis en train de me terrifier moi. Le problème, c'est que si j'ouvre ça, je vais être instant. Ah
Alors non, moi c'est pas Alex, c'est Tazi. En fait, j'aimerais bien qu'elle arrête de stresser là, mais bébé? Non, bébé, il s'en fout, hein. Comment je suis censé faire? Mais regardez comme je suis en train de mourir de peur. Ça, le problème. Ça aussi, c'est un problème. Ah mais... Tout simplement. Allez, 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 allez. Attends, je suis pas en train de te... Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, bon c'est un peu bugué, mais j'espère que je suis pas en train de le tuer là, par contre. Bon, on ne dira rien sur sa position, et on ne dira rien sur le fait que le monstre a arrêté de taper, hein. Il est pas du tout parti. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de le tuer. Je suis en train de le tuer, ça va être dégueulasse. Je suis en train de le tuer. Non, c'est bon. Ah non, ah non, 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 Richard, non. Ouais, ouais, super. Connard. Connard. Richard? Ah. Super. Ok, j'avance. Enfin, j'essaye d'avancer. Je lutte. Allez, fais quelque chose. Tu vas y arriver, Tazi. My head. What happened? I feel so so empty. What? What did I do? Alors, est-ce que c'est exactement ça? Après, le truc, c'est que depuis le début, on a des visions un peu comme ça, on a l'impression d'être un peu une bête. Mais attendez, là je suis quoi, là? Ou là, je pense que je suis pas vraiment moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a tabassé, ce petit bâtard, là? Ça aussi, hein, ça, j'ai pas apprécié, hein. Ça, je vous avoue que j'apprécie moyen ce qu'il a fait là, Léon. Léon. Richard. Mais on passera là-dessus. Ah bah. It's full of life now. Ah. Ouais. Voilà, ouais. I should take this back upstairs. Ouais, voilà. On va pas se bébé. Bébé. Alors. I know what's happening to me. Just like Leon. Parce que là, il y a un truc, c'est que là, autant sur la trad en sous-titre, il a été écrit. I did it. Enfin, elle t'a fait du mal.
Autant elle disait je t'ai fait du mal. Hein. Ouais. Bon, ça va. Mais ouais, bébé, il va arriver en fait. Ça se trouve. Imaginez, on a une phase où on doit jouer avec bébé. Je peux pas remonter comme ça. Oh, la musique est pas du tout angoissante. Non. Non, pas un monstre dans l'eau. Non, pas un monstre. Bon, il faut falloir éviter de passer à la broyeuse, visiblement. C'est une statue. Ah, t'es une statue, hein. Oui. Non, pas les tac tac tac. Pas des bruits de pas. Oh, c'est bruyant. Au secours. Allô? Oh! Croyez qu'il faut que j'aille là-dedans? Ouais, je suis un peu obligé de parler fort. Hein. Excusez-moi. Par contre, je peux pas passer là. Hein. On est d'accord, je peux pas passer là. Ah ouais, c'est exactement de là d'où je venais, moi. C'est nul. Non. J'ai pas le timing pour passer. C'est... Ah! Ah! Ah, j'enlève le casque. Attendez. Voilà, vous devriez mieux entendre un peu quand même. J'ai baissé le son là pour cette phase parce que... Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est quoi la différence en fait? Alors attendez, hein. On va les jouer dans cette configuration. Aïe aïe aïe, c'est. Alors attendez, je vais peut-être baisser. Ouais, voilà, je vais baisser le son pour mon retour. On va mettre le casque normalement, mais. Ouais, c'est bruyant, hein. Alors, je pense que c'est pas là. Mais là, je verrais bien casser la machine. Et bam, tout cassé. Vous croyez que je peux passer là? Parce que du coup, ça m'a servi à rien de changer la position. Passe vite! Non! Alors par contre, oui, il faut que je monte le son. Mais... Les bras m'en tombent. Mais lâche-moi! Bébé. Et voilà. Là, le son est revenu normalement. Et là, on va courir. Ah, je te suis... Hein? J'ai pas lu l'entièreté de sa phrase. Leon thinks we should leave you. Leon is right. I'm just slowing you down.
What did I say about self-sacrificial bullshit? We're not going to give him the satisfaction. You hear me? Hank! I hear you. Mm-hmm. Ah, mais jusqu'où elle a été capable d'aller pour sauver Hank? Ah, je suis désolé, lol. Je suis désolé, hein, je voulais pas te tuer. Je voulais pas essayer de te tuer, non. Non, c'est une blague. C'est pour fêter nos retrouvailles. I know, little one. It's all right. He won't bother us. Not anymore. On va espérer, hein. Not now. Ah, not Let's now. Get out of here. Ouais, not now. Juste pas maintenant, quoi. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. Ouais. He doesn't matter. We just need to get this canister into the machine upstairs. Then we can leave. I think. D'accord. Ah ouais, mais c'est une échelle. Tout va bien. Je veux dire, non. Par contre, ne faites pas ça. Ne faites pas de screamer à l'échelle. Pas de screamer à l'échelle. Pas de screamer à l'échelle. C'est long. C'est long, sa mère. On est en train de galérer. Pas de screamer à l'échelle. Oh, that was not easy. Ah bah oui, oui. Voilà, je lance un objet. Voilà, là c'était sur... Là, il peut pas y avoir de screamer en haut, je veux dire, j'ai lancé un objet. Si quelqu'un m'attendait là-haut, il se l'est pris dans la gueule. Un peu plus loin. Je suis désolé, hein, mais vraiment, il y a un jeu qui m'a inculqué la peur des échelles. Et depuis, plus rien ne pourra jamais être pareil pour moi. Ah, le retour des marques blanches. Hop, on va fermer. Histoire de... Rien là-dedans. Mais attendez, ça doit être... Du coup, ça doit être les marques blanches que je voyais. Ah. Il n'y avait pas de monstre, là, dans cette zone. Hein? Non. Attends, tais-toi. Taisez-vous. On entend de plus en plus distinctement des voix. Hein. Salut. Mais attends, c'est Richard? Je crois que c'est Richard. Ah oui, là on se sentait bien ici. Ici on était bien. Ouais, bébé, il est bien ici. Mais oui, il reviendra jamais. Jamais. J'aime pas cette ambiance. Alors, d'ailleurs, il y a une mise à jour là récemment sur le jeu qui a rajouté notamment les mods et les custom maps. Possibilité de faire des custom maps. Ça, je pense pas que moi je vais m'y attarder vraiment. Mais peut-être, hein, mais je pense pas. Mais en fait, j'ai vu aussi qu'apparemment, voilà, t'avais un truc qui faisait que ils ont mis à jour le fait que tu augmentais ta peur quand tu pouvais lire une note. Donc avant, c'était pas le cas. Tu pouvais augmenter ta peur quand c'était le cas. On les a lus, ça, ou pas? Bien plus de vitalité. Ça me parle. Le petit Rachid, oui, ça, on l'a vu. Voilà, donc c'est les mêmes notes que tout à l'heure. C'est pas des nouvelles notes. Bon, on va faire fi des bruits qu'on a entendus de plouf. Il y avait pas d'eau autour. Ah, super. Ah mais... Ah, je suis là. Ah, je suis complètement perdu. Hein. Complètement perdu, sans orientation sur 20. Under the sign of the seven on the third rise at the second calling, I, Karangi, make this record. The harvesters have adapted to the refinements to the hunting ground. Over the last 10 rises, I mark a full yield of 17 cells, which is an improvement of 4 cells over the previous cycle. Mareku suggests that the new transfiguration batch may be a contributor.
I advise a cycle with prior harvester stock to eliminate uncertainty. So recorded in her name eternal. Mm-hmm. Toujours plus de lore. Ok. Bon, attendez. Voilà. Ça, j'avais envie de le faire. Je l'ai fait, je suis content. Par contre... C'est par où? Ah, il est là, ouais. Ça doit être là, le début. Tout va bien, ici. J'ai aucune raison de m'inquiéter. Tout va bien. Très bien. Bon, on va essayer de quitter la zone et je pense qu'on arrêtera après. One. One, my dearest. Qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre fille? En fait, je me demande si c'est pas beaucoup plus grave qu'un simple étouffement. Enfin, je dis ça comme si c'était joyeux, enfin que si c'était léger, un étouffement. Enfin, je pense que c'est déjà traumatisant en soi, mais je sens que c'est triste ce qui lui arrive à la Alice. Assassiné. Ouais, bah écoute, j'ai pas eu le choix. Hein. Okay, peut-être, mais. J'ai pas eu l'impression d'avoir le choix. Oui. Salut. Quoi? Alors là non. Quoi? Nick aussi, au bout d'un moment... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, il y a la terre entière qui me tombe dessus. Bonjour. What? Oh. It's you. Mm-hmm. Ah, je peux pas. Ah, ok. Are you there, little one? I hope you're all right. I need to... Ouais, ça va. Need to find another way back to the portal. I have no idea what we did to deserve all this bullshit. Je pouvais pas l'éviter, ce coup. Ok. Attention où on met les pieds. Oh là là. Mais non, mais au secours, arrête de prendre des... Je peux pas me relever. Elle peut pas se relever. Merci. Oh là là. Pourriture des enfers. Ok. Le tonneau, il sert à rien. Ah non, il cachait des allumettes. On me la fait pas à moi. On va avancer, hein. Il y a tout qui s'est effondré. C'est la joie. Allez, on court, on court, on court, on court. Par contre, est-ce qu'on va pas... Ah, non, c'est bon, je reconnais ça. On devrait pas retomber sur... sur Léon. Hein, Léon, c'est fini, là. Ça, c'est juste au cas où. Non. Tant pis, hein. Je reclaque une allumette. Hein.
Tout ça pour changer de scène. Ah, j'ai jamais remis la map. La map. La cam. What do you see? It's dark, mama. It's so dark. Clairement, c'est... Ça va bien au-delà d'un simple problème alimentaire. Je sais pas comment formuler ça. Mais oh là là, oh ça a l'air d'être ça a l'air d'être terrible ce qui est l'histoire d'Alice en fait. Je sais pas exactement je sais pas quelle maladie peut faire ces symptômes là, mais est-ce que c'est une dégénérescence? Enfin, mais effectivement, ça doit être vraiment horrible pour un parent de vivre ça quoi. Surtout en fait la façon de s'y amener, mais bon, enfin, on y reviendra quand on aura plus de détails, mais pour le coup, je sens que c'est terrible. Voilà. Super. On va essayer de sortir de là en tout cas. Et on va espérer que Little One, il lui arrive rien, enfin qu'à Marie, il lui arrive rien. Ça, bon. Faudrait déjà sortir vivant de cet enfer, quoi. Quoi? Oh non. Porteuse de lumière. Je sais qu'il y a un succès, c'est de brûler une forêt entière d'allumettes. En boîte d'allumettes. Je sais pas combien de ça correspond d'allumettes, je sais pas si c'est ce succès-là que j'ai eu. Cette lumière qui clignote quoi. Ces trous de partout là. C'est accueillant. Hein. Je fais quoi là? Je passe là. Ok. Je peux pas rentrer là-dedans. La tablette. La tablette Sheikah. Voici les noms des sept souveraines de la lignée d'Urnaya. Urnaya, la lieuse, première impératrice, Irène, mère étoile, l'épieux insulaire, Takimira, des vignes chantantes, Taranga, la constructrice, Marae, cœur de pierre, Atua, la bénite à la main d'or, Tiana, l'éternelle, la dernière impératrice. D'accord. Il y a eu plusieurs impératrices aussi. Et Tiana, voilà, c'est la dernière. Alors, l'éternelle. Je crois qu'il y a eu d'autres noms, là, les noms qu'on a vus, on nous en a fait mention de certains. Ouais, peut-être que certains trucs, voilà, étaient concernés une des impératrices, et pas forcément Tininan. 1 sur 10, ouais. Allez. Hein? C'est quoi que j'ai vu tomber, là? Oh là là, oh là là! Hein? Ouais bébé. Ah ouais. MDR. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Tranquille. Reste à la lumière. Elle dort. Et bébé, il va bien? Ouais. Bébé, il est aussi en panique, autant en panique que moi, j'ai l'impression.
La question, c'est combien on a? Non, mais non. Oh là là, ah ouais d'accord, mais je vois où elle est. Chut. Déstress. Tranquille. Elle est là. D'accord. Tant pis. Voilà. On essaie de gérer nos ressources comme on peut aussi, hein. Mais je vous avoue que je suis en stress, hein. Non. Pardon? Oh non. Oh non, c'est pas là. J'avais pas vu le temps de la vidéo, on va pas tarder à s'arrêter. Même si bon, le début... J'étais pas debout. Enfin, j'étais debout. Attends bébé. 2 secondes bébé. Ici bébé. En fait, là, la grande question que je me pose, c'est... Déjà, est-ce que ça, c'est pas un autre monstre? Ensuite, est-ce que lui... À quel point il fait dodo? Est-ce qu'il faut que je cours ou pas, quoi? Quelle est la bonne solution? Putain, mais en fait... Oh, mais à quel endroit je m'arrête maintenant, moi, dans ce jeu? Jamais, en fait. C'est ça? C'est terminé? C'est terminé? Ça va toujours être la tension? Parce que là, il y a l'air d'avoir un trou. Bon, on va essayer d'aller... Techniquement, si elle dort, elle dort, je veux dire. Alors là, problème. Problème is. Oh non, mais elle est en plein milieu. Moi, la bonne solution, ça me paraît d'être de fermer la porte. Voire peut-être pas de la fermer complètement, histoire de. Voilà. Et de passer par le petit trou. Ah ouais, non, mais. Oh! Ça sent la connerie de faire ça. C'est une connerie de faire ça. C'est une grosse connerie de faire ça. Vous savez que ça va faire du bruit. Vous savez que là je vais stresser. Oh là là. Sinon je m'arrête là. Pire endroit, pire moment. Mais encore une fois, hein, mais quelque part, bon... J'avais pas dit que c'était une mauvaise idée juste à l'épisode d'avant. Oh non, mais non, mais il faut qu'en plus, faut que je le maintienne. Mais le truc, c'est que la bête, elle va venir d'où, là? Oh, mais non, mais j'ai pas envie. Pas envie de faire du bruit. Pas envie de les réveiller. Dormez si bien.
Parce que je vais devoir courir. Hein, hein? Quoi? Ah ouais, c'est exactement pas du tout ce que je pensais qu'il arriverait. Je sais pas où aller. Soit elle est à droite et je peux passer en force ou pas. Soit elle est à gauche et là je suis dans la merde. Elle est où, putain? Quel enfer. Je sens qu'elle a entendu un bruit là, mais elle est pas venue ici, quoi. Oh. Ah bah oui, voilà. Calme-moi, bébé. Voilà, déstresse-moi un peu. Mais c'est les ténèbres, quoi. Bon. Vous savez quoi? On va s'arrêter dans cette lumière. Ça me paraît très bien, cette lumière. Totalement apaisante, cette lumière. Comme ça, voilà. Je sais pas combien de temps ça vous fera. Ça se trouve, ce sera un épisode qui sera court. Par rapport... Enfin, il sera beaucoup plus court, à mon avis, peut-être que ce que j'ai... Que ce que moi, j'aurais passé dessus. Étant donné que... Étant donné que, comment dire... Non mais j'ai trop peur d'être poursuivi. J'ai trop peur de déclencher une course poursuite et voilà. Mais ouais, ça aurait été beaucoup d'infiltration, mais en même temps, on a eu pas mal d'infos aussi au niveau du lore de certains personnages. On a rencontré Léon, où on l'avait déjà rencontré techniquement à la fin de l'épisode précédent, mais on savait pas que c'était lui. On a rencontré Richard, qui bon bah est mort maintenant, mais bon, voilà. Et maintenant, on s'amuse... Elle joue avec des ghouls. Super. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.